on avait récupéré donc du coup l'argent de Monsieur Pierre. Enfin de Pierre d'ailleurs, je sais plus exactement. Je sais plus si on connaissait son nom de famille. Je m'en souviens. Et on devait aller voir sa compagne qui s'appelle Francine, 17 rue Dominique, avec le code 15328. Donc on y va, on va la chercher. Alors du coup, 2016, donc ghetto parisien 2016-2040, ça a l'air d'être le bon. Voilà. Regardez-moi cette magnifique là, regardez-moi ça, la rigidité. Non mais c'est quand même magnifique, hein. C'est quand même un très bon jeu, même si c'est sûr qu'au niveau maintenant rigidité, on peut constater que c'est vraiment très très rigide, mais c'est quand même un très bon jeu, à ne pas nier. Je vous le conseille d'ailleurs si vous ne l'avez jamais fait. Alors, donc on a dit que, j'ai oublié déjà, j'ai pas de mémoire, on a dit qu'on devait aller 17 rue Dominique. Alors la rue Dominique, logiquement, c'est là où il y avait le code barre à taper, donc on va y aller directement. Donc comme d'habitude, les pubs pour Europe 2, les trucs mal traduits, bon, hein, ça change pas ça. Je suis pas dans la caméra, j'ai l'impression que la caméra était tournée. Je vais regarder en haut parce que c'est tellement mieux tellement meilleure qualité. Voilà, la rue Dominique, on y est. C'est écrit sur le panneau. La rue Dominique, donc du coup, il faut chercher maintenant le numéro 17. Qui est évidemment le seul endroit où il y avait un code barre. Hein. On nous a jamais proposé d'y rentrer encore ici, tiens. On verra, on verra. Comme je vous l'avais dit, voilà, on doit à un moment entrer, je crois, dans un... Alors attendez, ça c'est quoi? Rue de Piolet, non, donc c'est pas là. Il y avait un endroit avec un code... Avec un code à faire. Il est où? On peut rentrer pas... Ouh, il y a plein de sang ici. Plein de taches de sang, je sais pas si vous les voyez, mais je pense que oui. Vous les voyez, vous les appréciez. Les taches de sang, du coup. Non, 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 hein, non, il y avait... Je me souviens, je vous avais montré d'ailleurs le QR code. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je vous avais montré le code à noter et c'était une porte qui était ici. Et elle n'est plus là. C'est quand même un peu embêtant. Peut-être on a passé la porte sans le voir. Hein. Rue Dominique... Non, non, non. 47 rue Dominique. Non, 17 rue Dominique. Ah, voilà. C'est ça, non, c'était 17 rue Dominique. 17 rue Dominique, 15328, c'est ça. Le voilà. Donc 15 328. Bon, les lumières n'ont pas été faites hein, pour dire que ça a fonctionné, mais c'était bien ça le code. Voilà. Ah oui, je me souviens de cette salle, effectivement. Ah ouais. J'arrête de mordre la lèvre, moi. Eh ben, on est bon là, on est très bien là. Moi je trouve, on a la vie qu'il faut, on a la petite voiture. C'est quelle marque d'ailleurs, tiens. Par curiosité, hein. C'est juste pour savoir. Ah, arrête de tourner en rond. Ah, quoi que si, attendez. Elle va tourner en rond, voilà, regardez son magnifique visage, regardez-moi ça. Voilà, c'était la Lara de l'époque, qui était beaucoup plus bimbo. Et aussi beaucoup plus solide, strict plutôt je dirais. Par rapport à la Lara d'aujourd'hui qui est très bien, hein, je m'en plains pas du tout parce qu'elle est vraiment très bien, très très bien designée. Voilà, mais c'était l'époque, voilà, c'est comme ça que j'ai connu Lara, donc du coup forcément je préfère celle-là. Bon, du coup ça sert à rien ce que je fais, d'accord, 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 et donc du coup bah on va continuer. Allez, on avance. La fameuse porte. On rentre comme ça chez les gens. Ah oui, c'est vrai. Cimetière Saint-Écart, et on va y accéder comme ça. Voilà, cimetière Saint-Écart, c'est là où on devait accéder. On devait y accéder par en bas, en fait, avec Bernard, je crois, et par en haut avec Pierre. Je vais peut-être pas lui parler. Je vais d'abord fouiller ce qu'il y a chez elle. En mode. Ouais, en mode tranquillou, comme si c'était chez moi. Il y a des médicaments. Je veux dire, moi les médicaments c'est sympa, je trouve, hein, ça soigne.
Bouchard est dans la vieille église. Ah, dans la cour, vous trouverez un mausolée. Il conduit au sous-sol de l'église. C'est le meilleur chemin ? C'est la seule façon d'éviter le videur. Attention aux apiques. Ils sont dangereux. Tout l'est de nos jours. On est comme ça à Paris. Et on est bien sûr à Paris, et bien sûr à Paris, voilà. Oh, une montre ! Une Casio. Non, on va pas ouvrir la porte ici. D'abord, on fouille la maison, les amis. Là, c'est la porte finale. Là, il y a un interrupteur qui ressort, mais comme... comme le nez au milieu de la figure. Là, il y a un tableau. On peut pas voler le tableau ? Pas voler, on peut pas prendre le tableau, plutôt ? Non, apparemment non. Cette porte n'est pas ouvrable, ben, il nous reste plus qu'une seule solution. Et on y va, c'est parti. Non, ça s'est fait déjà. Hop, par là. Voilà, exactement. Alors... dans ce niveau, voilà, il y avait deux solutions. Si vous vous souvenez bien, je vous avais expliqué que au début du ghetto parisien, on pouvait aller voir deux gars qui connaissaient, qui pouvaient nous emmener à la personne qu'on souhaitait contacter, qui s'appelle Bouchard. Les deux gars s'appelaient un Bernard et l'autre Pierre. Et Pierre est en gros le gros magouilleur, hein, qui magouille, hein, tout simplement, et qui possédait le bar... pas le serpent rouge. Le serpent rouge, c'est une boîte, hein, pour ceux qui avaient oublié. Donc c'est... Pierre possède... comment ça s'appelle ? Le café métro. Et Bernard était le... et Bernard était l'employé à tout faire du serpent rouge. Et se trouvait dans le jardin. Dans le jardin autour du métro. Donc du coup, avec Pierre, on a récupéré les sous. Pierre dans le serpent rouge après avoir tué quelques mecs, nos premiers mecs d'ailleurs qu'on a tué, et ensuite on est allé le voir, on lui a donné ce qu'il fallait, les sous, et il nous a donc conduit à son ex qui habite tout simplement à côté du cimetière Saint-Écart et qui nous fait rentrer directement par là. Si on était allé voir Bernard, qui est je crois l'histoire la plus longue, je crois, on aurait pris aussi un objet pareil dans les projecteurs, hein, je crois, dans les projos. Et ensuite, on serait revenu le voir, et lui nous aurait reconduit à l'église Saint-Écart, je crois, et nous aurait fait parler à un boxeur avec un jeu de... comment dire, avec un jeu de boxe, je crois, enfin, je sais pas si vous le verrez, avec un jeu de boxe qui buguait d'ailleurs dans le jeu original, et qui... et à la fin, je crois qu'on parlait au boxeur, et le boxeur nous disait de dire au videur un certain truc pour pouvoir passer. Et donc du coup, on se retrouvait là-bas. Il y avait un videur, si vous vous souvenez bien, au niveau du portail, pas loin de l'entrée de l'église, justement, Saint-Écart. On va faire une petite sauvegarde, voilà, ça c'était le résumé, en gros. Et donc du coup, on commence pas au même endroit en fonction... et c'est ça. Voilà. On commence pas au même endroit en fonction du... tout simplement du moment... où on y arrive. Pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais dire. On n'arrive pas au même endroit. On n'arrive pas au même endroit du moment que il y a deux personnes. Non. C'est pas ça que je veux dire. Je sais plus du tout. Je me suis perdu. Hop là, un petit saut, tiens qu'on accroche, voilà, c'est bon. En plus elle se sent plus forte. Ah non, elle se sent pas plus forte maintenant. Ah, bref. On n'arrive pas au même endroit selon la personne qu'on va voir. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Ça y est, j'ai trouvé ma phrase. Allez. Donc là, on peut pas aller là-bas. Là, c'est la rue où on était. Ça, c'est le parc, justement, que vous pouvez voir en fond, dont je vous parlais, où se trouvait Bernard, l'homme à tout faire. Et donc, du coup, on va monter cet égout. Allez. Alors je ne connais pas trop la partie avec Pierre, parce que Pierre était le magouilleur, donc du coup je faisais pas trop sa partie. Je faisais plutôt celle de Bernard qui était le gentil. Voilà, parce que je suis gentil. Alors. Non, non, qu'est-ce que tu cours ? Oh purée, attends. J'ai même pas le temps. Enfin si, j'avais le temps là, vous avez vu, je me suis arrêté, y'a pas eu de soucis, mais. Mais bon, j'aurais préféré. Non, fais pas ça là. J'aurais préféré quand même prendre le temps de réfléchir. Il y avait peut-être des trucs intéressants. Bon, au pire, je ferai des sauts, c'est pas très grave. Non, la rat. On va faire ça. Et des pas de côté. Non, de ce côté là. Ah non, bah non, il faut que je m'attache. Du coup, on va s'attacher.
arrive ici. Ensuite, on va prendre les câbles et ça va nous faire descendre dans l'église. Et il y a des chiens d'ailleurs hein, dans l'église. Voilà, alors juste deux petites secondes. Je vais sauvegarder et je vais changer aussi autre chose. Non, c'est bon. Sauvegarde. On continue. Sauvegarde cimetière. Donc de Saint-Écart ici. Voilà, on écrase le fichier. Voilà, donc c'était les jeux aussi, hein, si vous vous souvenez bien, les jeux où on faisait nous-mêmes nos sauvegardes, mais on reprenait pile à l'endroit où on était, ce qui est quand même pas mal. Mais le problème, c'est que si on fait pas sa sauvegarde, et ben on meurt, on recommence tout. Voilà. Du coup, soit on descend, je vais regarder un petit peu, soit on descend par le tuyau, on peut remonter ensuite, soit on passe par le câble rouge. Alors du coup, je ne sais plus du tout. Je vais essayer de faire un petit zéro, je crois, non, pour regarder autour de soi. Oula, oula, oula. Regardez-moi ce magnifique bug graphique qui a eu lieu là. Hop là, voilà. Regardez, on peut voir, voilà, qu'à l'intérieur, Lara possède des yeux. Et oui, à l'intérieur du crâne. Bon, ça c'était un traumatisme de mon enfance, je me souviens. Voilà, il y a une niche. Et surtout. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va descendre parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants. Et je pense que la suite, surtout, est par les balcons. On va faire ça. On va. Donc, on a sauvegardé déjà, donc c'est pas un souci. On va faire un. Ah! C'est intéressant ça, c'est-à-dire que si on descend. Bon, attendez. Déjà, il y a l'air d'avoir un passage secret ici. Non, il n'y a pas de passage secret. Bon, voilà. On fait ça, on se met au mur. On passe par là. Est-ce que ça se détruit? Apparemment non. Donc tant mieux. Bon, quelques soucis graphiques, mais c'est pas très très grave. Allez, descend. On a un flingue de près. De toute façon, il n'y a pas de soucis. Et puis on continue. Hein. Hop, allez, lâche parce que t'es lente quand même. Prépare le flingue. Non, mais ne cours pas, Lara. Comment se faire remarquer? Bon, après tout, à l'époque, hein, les jeux. Tu pouvais courir, tu pouvais faire n'importe quoi. Enfin, en tout cas, dans celui-là. Y'a pas de soucis. Donc, on a la niche d'un chien et on a les. Je me souviens plus si je passais en bas, moi, ou si je. Je ne suis pas assez forte. Ah mince, il faut qu'elle se sente plus forte, Lara. Ma petite Lara, il faut que tu te sentes plus forte. Donc du coup, on va monter. Ah, là, enlève ce mode-là. Prends ça. Musique discrète, mais assez sympathique. Honnêtement, moi j'aime bien la musique. Monte, voilà. Ben voilà, on est bon. Allez, hop. Là en jean aussi, c'était la première fois qu'elle changeait de costume principal. Allez, accroche-toi. Dépêche-toi parce que là il faut que tu te sentes plus forte, donc il faut que on se dépêche. Voilà, hop, saute ici. Pour accroupir c'est 1. Hop, voilà, c'est bon. Accroupir ça peut être utile pour pouvoir passer les obstacles. On avait pu le voir dans le niveau 3, je crois, un truc comme ça. Et vous vous souvenez bien. Voilà. On peut lâcher là. Donc, tout le but va être de se sentir plus fort. Quoi? Mais non, mais c'est pas possible. J'ai dû rater un truc. Ah mais oui, mais en même temps, quand tu suis pas la soluce, forcément tu rates des trucs. Ah, ça m'énerve un petit peu ça quand même, hein, parce que du coup j'ai raté un truc que j'aurais pu muscler et du coup j'aurais pu faire. On va essayer autre chose. Je suis sûr qu'il doit y avoir un autre truc. Pas, parce que si je vais là-bas, je m'explose. Du coup, saut ici, y a rien. Oups. C'est pas ce que je voulais faire.
Attendez, j'ai perdu de la vie pour rien, je vais pas non plus, hein. Surtout qu'on en a besoin de la vie. La vie, c'est très important. Non. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur là? Je suis sûr qu'il y a un truc. Comment ça se fait qu'on n'est pas assez fort? Moi, je suis étonné. Bon, tant pis. Allez, Lara, saute. Mais non, saute. Voilà, allez vite. Move. Bizarre ça, vraiment je me souviens plus du tout de ce qui a rendu plus forte à cet endroit là. Si vous voulez, quand on descend, on peut pas s'accrocher ici, hein, on est d'accord. Si vous voulez, quand on va descendre, ce sera plus possible de remonter par la suite. Hein. C'est pour ça que c'est embêtant.